Hommes, femmes et enfants en quête d'un avenir plus sûr se noient chaque jour en mer en tentant de rejoindre l'Europe. Des experts ont appelé au recadrage de la politique d'aide de l'Union européenne pour mieux gérer la crise des migrants. Cependant, très peu de choses ont changé, ce qui contraint les patrouilles à intensifier les opérations de sauvetage de ces personnes. Le poste d'aide aux migrants étrangers est l'une de ces organisations impliquées dans ce type d'opération en partenariat avec d'autres institutions à but non lucratif. Le 3 octobre dernier, il y a donc 10 jours, plus de 5600 migrants avaient été secourus au large de la Libye, l'un des chiffres les plus élevés de l'année. Ceci dit, les opérations d'aussi grande ampleur sont devenues monnaie courante ces derniers mois en mer Méditerranée. Nous allons en discuter ce matin avec le directeur de la Migrant Offshore Aid Station, une organisation donc de secours basée à La Valette, à Malte. Bonjour monsieur le directeur, alors parlez-nous des opérations que la MOAD a menées depuis le début de l'année. Comment les évaluez-vous à votre niveau? Ça a été une année très chargée pour nous depuis le début, en particulier à l'approche de la fin de cette année. Moi, comme vous le savez, est la première société civile spécialisée dans la recherche et le sauvetage. Alors maintenant, il y a 13 navires de la société civile dans la région méditerranéenne, dont deux appartiennent à MOAS. Et nous nous sommes toujours largement déployés. Nous avons enregistré à deux reprises près de 13 000 et 10 000 personnes arrivées en une semaine. Des personnes qui tentent la dangereuse traversée de la Méditerranée centrale. C'est tout un phénomène exceptionnel et nous faisons de notre mieux avec les navires que nous avons, avec la capacité de recherche que nous avons, qui inclut deux grands drones et en coordination avec les autres personnels du Centre de coordination des opérations de sauvetage des gardes-côtes italiens, dont le siège se trouve à Rome. Peter Sweetnam, dites-nous comment vous procédez exactement aux opérations de sauvetage. Est-ce que vos équipes attendent d'être alertées avant d'intervenir en mer? Nous avons deux navires qui fonctionnent sur un cycle de deux semaines. Ils sont donc basés à Malte et les bateaux vont partir d'ici et passer par la côte libyenne. Nous allons beaucoup opérer à l'ouest de Tripoli, puis nous allons rester au large de la côte la nuit. Nous allons passer vers la côte et si les conditions sont favorables, nous nous servirons des drones pour augmenter notre horizon visuel. Nous pouvons faire des recherches dans de grandes zones maritimes pour les navires et les détails de tout ce que nous trouvons est ensuite renvoyé au centre de coordination de sauvetage. Nous allons trouver les navires, faire sortir les personnes à bord de ces bateaux instables et puis nous allons les mettre sur notre bateau ou à défaut les transférer sur d'autres navires qui vont les faire retourner en Italie. Nous pouvons aussi entreprendre nous-mêmes de le faire en accord, évidemment, avec les autorités italiennes. Quand nous atteindrons le port, nous intégrerons ces personnes au sein du système d'asile italien. Alors, dernière question, Monsieur Sweetnam. À votre avis, que faut-il faire pour réduire le nombre de candidats à la migration clandestine et surtout le nombre de morts en Méditerranée? Environ 1% des gens qui tentent la traversée meurent. La question maintenant est de savoir combien de personnes que nous ne connaissons pas périssent en mer. Alors je dirais quelque part entre 1 et 2%, soit à peu près 2 ou 3 personnes en moyenne sur chaque bateau qui meurent. Et pour certains, on ne le saura jamais. Il est donc question que les gens comprennent que c'est un exercice très périlleux. Même avec les grandes capacités de recherche et sauvetage disponibles, et si tout cela n'était pas en place, alors là,
beaucoup plus de personnes mouraient. Les bateaux dépasseurs ne sont pas vraiment appropriés pour les longs voyages. Il faut vraiment une solution politique à ce phénomène des migrants. Ce que nous pensons, c'est qu'on ne peut pas se cacher derrière des barbelés. Nous ne pouvons pas avoir une Europe forteresse parce qu'il y a plus d'un quart de million de personnes en Libye qui souhaitent effectuer cette traversée. Nous appelons donc au renforcement de la sécurité et des moyens par lesquels les gens entreprennent ces voyages sans avoir à passer par la mer et courir tous ces dangers. Voilà, c'était M. Suinam qui...